Alors Jean accepta. Quand Jésus sort de l'eau, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe et une voix venant des cieux déclare: Celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma foi. La foule ne comprend pas ce qui vient d'arriver et chacun retourne chez soi. Jean continue à appeler à la repentance car le royaume de Dieu est proche. Pour Jésus, les paroles de son Père sont un signe et le don du Saint-Esprit, l'assurance de son aide. Il s'en va seul au désert afin de se préparer pour sa mission. Au bout de 4 jours sans rien manger, il a faim. Le diable tente en suggérant que Jésus utilise sa puissance divine pour lui. Non, l'Écriture déclare, l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain.